Bonsoir tout le monde. Avec le micro, j'ai peut-être attiré votre attention. Alors, bonsoir et bienvenue au dévoilement de la liste préliminaire du Prix des libraires du Québec 2023 pour les catégories bande dessinée, essai, poésie, roman, nouvelle, récit. Je suis Catherine Fafard, la directrice générale de l'Association des libraires du Québec, qui coordonne, disons-le, ce prestigieux prix littéraire, qui célébrera ses 30 ans en 2023. Permettez-moi de remercier les organisateurs du Salon du livre de Montréal qui nous accueillent dans ce contexte exceptionnel, une véritable célébration du livre. Et un merci spécial à Marquis Imprimeur, Roland et Laurentien pour leur soutien. Cette année, une nouvelle ambassadrice des catégories dites « adultes » a accepté d'endosser le rôle. Il s'agit de la comédienne et grande lectrice Catherine Brunet. Malheureusement, elle ne pouvait être des nôtres ce soir, mais soyez assurés qu'elle sera là aux autres étapes du prix, le dévoilement des finalistes en janvier et au dynamique gala que vous connaissez peut-être tous, le 11 mai. J'aimerais prendre quelques instants pour remercier les partenaires du Prix des libraires du Québec qui participent au succès de l'événement. Le Conseil des arts du Canada, le patrimoine canadien, la Société de développement des entreprises culturelles, le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts de Montréal, Druide informatique, la Société de gestion de la BTLF, ainsi que l'Association internationale des études québécoises. Pendant plusieurs mois, les libraires des différents comités ne cessent de lire ce qui les intrigue et les passionne. S'émerveillant face à un nouvel auteur ou autrice, ou encore redécouvrant l'écriture d'un vétéran ou d'une vétérane des lettres. Ils ou elles doivent lire, relire, trancher, comparer et se questionner. Finalement, 52 livres se taillent une place dans cette liste préliminaire, 34 Québécois et 18 hors Québec. Une liste qui reflète la pluralité de la littérature qui nous entoure, peuplée de voix singulières et fortes. D'ailleurs, je rappelle à votre mémoire un des règlements du prix. L'année de sélection est du 1er janvier au 31 décembre, mais le comité peut sélectionner des titres du dernier trimestre de l'année précédente. Je le dis parce que ne soyez pas étonnés de voir des livres de ce dernier trimestre de l'année précédente et ne soyez pas inquiets de l'absence de certains livres qui sont parus dernièrement, qui auront leur chance l'an prochain. Cette célébration annuelle, coordonnée par l'Association des libraires, met en lumière le rôle essentiel des libraires qui font vivre la littérature d'ici et d'ailleurs, proposant des titres qui sauront surprendre tant par leur originalité que par leur nécessité. Sans plus tarder, 5 libraires représentant autant de comités viendront vous dévoiler les titres. Comme notre temps est compté, je vous demande de garder vos applaudissements pour la fin de chacune des catégories. Ce sera dur parce que je sais que vous aimez plusieurs des livres qui seront nommés, mais ensemble, nous serons forts. Alors, pour débuter, j'accueille un premier libraire, Sean Cotton, de la librairie Le Port de Tête. Merci, Catherine. Bonjour, bonsoir. Alors, les 6 œuvres qui composent la liste préliminaire de la catégorie bande dessinée Art Québec sont les suivantes. Feuilles volantes d'Alexandre Cléris, publié chez Dargaud. Le monde sans fin de Jean-Marc Jancovici et Christophe Blain, publié chez Dargaud. Léviathan, tome 1 de Shiro Kuroi, publié chez Kihoun. Nettoyage à sec de Yoris Mertens, publié chez Rue de Sèvres. Sous brouillard de Anne-Caroline Pandolfo et Terkel Risberg, publié chez Dargaud. Et Cosmos de Pat Perna et Fabien Bedouel, publié chez Delcourt. Et les 6 titres de la catégorie bande dessinée Québec, Parfois les lacs brûlent de Geneviève Biguet, publié chez Front Froid. La fin du commencement de Fadi Malek et Anne Villeneuve, publié chez Nouvelle Adresse.
Adieu, triste amour de Myrion Mal, publié chez Pau Pau. Confession d'une femme normale d'Héloïse Marseille, publié chez Pau Pau. René Lévesque, quelque chose comme un grand homme de Marc Tessier, un collectif d'artistes, publié chez Moi le Graphique. Et Un pari pour Dallaire de Marc Tessier et Cyrus, publié chez La Pastèque. Félicitations aux nommés. Je cède la parole à Malika Rafa de la librairie La Livrerie. Bonsoir. Voici les 8 œuvres qui composent la liste préliminaire de la catégorie Essai québécois. Les rêves du Hookpic d'Étienne Beaulieu, publié chez Varia. Mœurs de la gauche cannibale à la droite vandale d'Alain Deneau, publié chez Lux. Panique à l'université, rectitude politique, woke et autres menaces imaginaires de Francis Dupuy-Déry, publié chez Lux. Tu choisiras les montagnes d'Andréane Frenette-Vallière, publié chez Le Noroy. Armer la rage pour une littérature de combat de Marie-Pierre Lafontaine, publié chez Héliotrope. Cicatrice, carnet de conversation de Sarah Danielle Michaud, publié chez Nota Bene. Géographie du pays proche, poète et citoyen dans un Québec pluriel de Pierre Neveu, publié chez Boréal. Et enfin, L'habitude des ruines, le sacre de l'oubli et de la laideur au Québec de Marie-Hélène Voyer, publié chez Lux. Félicitations aux nommés. Je cède la parole à Marie-Laurence Nau de la librairie Le Renard Perché. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voici les 8 œuvres qui composent la liste préliminaire de la catégorie Poésie québécoise. Marche à voix basse de Nelly Desmarais, publiée chez Le Cartanier. Une flambée mes mains d'Alicia Dufault, publiée chez Poète de Brousse. Exercice de joie de Louise Dupré, publiée chez Le Noroy. Refuge pour ténèbres de Stéphane Jean, publié chez Les Herbes Rouges. Surtout ne pas faire de liste de Lucille de Pelloin, publié chez Rodrigol. Domaine du repos d'Emmanuel Riendeau, publié chez Le Noroy. Sainte-Chloé de l'amour de Chloé Savoie-Bernard, publié chez L'Hexagone. Et Mourons des champs de Marie-Hélène Voyer, publié chez La Peuplade. Félicitations nommées, je cède la parole à Léo Loisel de la librairie Un livre à soi. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, voici les 12 œuvres qui composent la liste préliminaire de la catégorie Romans, Nouvelles, Récits hors Québec. Alors, désolé si j'écorche les noms de famille. Le Mage du Kremlin, de Giuliano da Ampoli, publié par Gallimard. Cher Connard, de Virginie Despentes, publié par Grasset. La Cité des Nuages et des Oiseaux, d'Anthony Doerr, publié par Albin Michel. S'adapter de Clara Dupont-Monod, publié par Stock. Celui qui veille de Louise Erdrich, publié par Albin Michel. Mr. Loverman de Bernadine Evaristo, publié par Globe. Les abeilles grises d'Andrei Kourkov, publié par Liana Levy. Stardust de Leonora Miano, par Grasset. L'enfant qui voulait disparaître de Jason Mott, publié par Autrement. Ton absence n'est que ténèbres, de John Kalman Stephenson, publié par Grasset. Memorial Drive, de Natasha Twitterway, publié par les éditions de L'Olivier. Et La décision, de Catherine Tuile, publié par Gallimard. Félicitations aux nommés. Je cède maintenant la parole à Antoine Marchand, de la librairie Raffin, Place Versailles. Donc, bonsoir. Je vais nommer les 12 œuvres qui composent la liste préliminaire de la catégorie Romans, Nouvelles, Récits québécois. La liste est la suivante. Le Jeu de l'oiseau, de Sylvie Darbeau, publié chez Léméac. Les Ombres blanches, de Dominique Fortier, publié chez Alto. On a tout l'automne, de Juliana Léveillé-Trudel, publié chez La Peuplade. La jeune fille à la tresse, de Françoise Delucas, publié chez Marchand de feuilles. La mer intérieure de Sophie Marcotte, publiée par La Maison en feu. La banalité d'un tir de Malia Navia, publiée par Léméac.
Perdre la tête de Heather O'Neill, publié chez Alto. Éveil à Kitschke de Louis-Carl Picard-Siou, publié chez Anénorak. Morel de Maxime Raymond Bock, publié chez Cheval Daou. Les marins ne savent pas nager de Dominique Scali, publié chez La Peu Palade. Les pénitences d'Alexandre Vien, publié chez Cheval Daou. Et À la maison de Myriam Vessian, publié chez Poète de Brousse. Félicitations aux nommés. Je redonne la parole à Catherine. Alors, merci à tous les libraires qui ont formé les comités de sélection. C'est un immense job que de lire tout ce qu'ils lisent dans une année, en plus de tout le reste. Les prochaines étapes. Les comités de sélection se réuniront à nouveau afin d'établir la liste des finalistes à la fin janvier. Après le dévoilement de ces listes, le processus de votation, pourra être enclenché et c'est alors l'ensemble des librairies du Québec qui sont appelées à voter, peu importe le statut de la librairie. Et donc, ce sera un ou une lauréate par catégorie qui sera dévoilée au Club Soda le 11 mai. À vos agendas, tout le monde. Pour terminer, je vous remercie de votre présence et de votre intérêt renouvelé envers ce prix littéraire. Je vous invite à toujours consulter le site du prix, prixdeslibraires.qc.ca, pour tous les détails, ou tout juste à côté, le stand de l'AEQ, où les livres sélectionnés seront en démonstration et dans lequel vous pouvez aussi vous prêter au jeu des prescriptions littéraires et d'un questionnaire ludique offert par leslibraires.ca. Voilà, place bientôt à l'inauguration officielle du salon. Merci.